Voilà, il y a beaucoup de titres, mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous avez nous visionné. Alors, Lelo Tokolobera, Litamboyo, Zali, autant dit ça, mes réseaux sociaux, Litamboya Mukanda, y'a Martin Fayoulou. Kanda Oyo Akomelaki, mon conseiller Mboka, donc Azali Kope sa proposition aïe, il y a sorti de crise. Eh bien, ça parcourt les réseaux sociaux, ça déferle les chroniques, mais l'information, ça date de bien longtemps, déjà au mois d'avril. C'était déjà apparu dans une conférence de presse, il ne l'avait pas caché. Il s'est trouvé dans une conférence de presse, je pense, en Occident. Je ne sais pas quel Occident, parce qu'il s'exprime en français. Il propose un haut conseil de réforme des institutions, c'est-à-dire la présidence ou le conseiller électoral et autres, la défense, la sécurité, etc., les institutions connues, quoi. Je peux vous en proposer une, pas une version, un extrait, voilà. J'allais dire version, mais c'est un extrait. Oui, c'est une version parce que ce n'est pas le tout. Hein. Voilà, je vais chercher ça sur mon smartphone. Voilà. Yangoyo Mathia Boye. Yangoyo. Voilà. Toutes les élections. Afin de faire respecter la volonté du peuple par la vérité des urnes. Pendant cette période, nous devons mettre en place une institution appelée au Conseil national de réforme institutionnelle, qui sera dirigé par l'AMUKA, notre coalition politique. Pour sortir de cette crise de légitimité, je propose l'organisation des assises entre les parties prenantes, toutes les parties prenantes, pour décider de la tenue, après une période de 12 à 18 mois, de nouvelles élections. Toutes les élections. Afin de faire respecter la volonté du peuple par la vérité des urnes. Pendant cette période, nous devons mettre en place une institution appelée au Conseil national de réforme institutionnelle qui sera dirigée par l'AMUKA, notre coalition politique. Voilà. Voilà, chers compatriotes, juste là, ça marche. Diwara, ça marche. Mais pourquoi ça choque aujourd'hui? Pourquoi ça étonne? Namukandoyo Akomaki. Mukandoyo va publier parce que hier, Akomaki Mukanda le 10. Le 10 du mois de mai. Maintenant, nous sommes au mois de juillet. On n'a pas publié cette lettre. Pourquoi est-ce qu'on publie maintenant?
Il y a un peu trop de fuites à la présidence. On constate comme si on faisait des publications à l'insu du président de la République, comme par exemple cette vidéo dans laquelle il est assis relax chez lui. Sûrement qu'il regardait le match. Il est en train de féliciter les Léopards. Il est en train d'être filmé par, je ne sais pas, un membre du cabinet, un membre de la famille, un conseiller. Mais je pense que là, il est entre les intimes. Mais nous ne pensons pas que il fallait publier, et bien que ça soit une bonne action, il félicite le Léopard, mais bon, de cette forme-là, de cette façon-là, je ne pense pas qu'il fallait publier ça de cette façon-là. La même chose, bon, la proposition de Martin Fayoulou, est-ce qu'elle était gardée secrète? Ça date du mois de mai, le début du mois de mai, et pourquoi on publie maintenant? Il faut se poser des questions. Sachant qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous nous souvenons, Moïse Katumbi, le coordonnateur de la plateforme L'Avocat, avait promis que quand il sera au pays, quand le moment sera venu, comme il est coordonnateur de L'Avocat, il va présenter son équipe auprès de Félix Tshisekedi, le président, pour parler de l'une ou de l'autre chose en vue d'une opposition républicaine, parce que Moïse Katumbi a toujours prôné une opposition soft, une opposition en douce, c'est-à-dire genre, il a un bic rouge, il félicite là, il faut féliciter, et il souligne en rouge là où ça ne va pas. Ben, sans savoir que il a avec lui, au sein de l'Avocat, son équipier, un de ses coéquipiers, Martin Fayoulou, qui lui, il est radical, rejoint par Mouzito. Mouzito, le disciple indéfectible de Martin Fayoulou. Dans le document, ce qui fait la différence entre la conférence de presse de Martin Fayoulou et le document adressé à la présidence de la République pour proposer une sortie de crise, c'est qu'il reconnaît pendant la période de la réforme institutionnelle, il reconnaît le président Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Ce qui fait contradiction, ce qui contraste avec sa chanson de la vérité des urnes. Et pourquoi a-t-il adressé cette lettre en solo? Parce que apparemment, le papier en tête comporte le nom de Fayoulou, la signature aussi de Fayoulou. Il est allé en solo. Dans la conférence de presse, il va en solo, il dit que sa proposition de la réforme du Haut Conseil pour la réforme des institutions, que cette proposition du Haut Conseil, le Haut Conseil sera dirigée par la plateforme L'Avocat. Non, cette fois-ci, ce n'est pas par L'Avocat, cette fois-ci, c'est par Martin Fayoulou. Vous voyez la différence? Et ce compagnon, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Matungulu,
Nyamwisi, je pense que lui, il est déjà parti, mais à l'époque, il était encore là. Ils ne sont pas associés, ils ne sont pas du tout associés. Il a adressé cette lettre en solo. Est-il sincère avec lui-même? Ceux qui ont prédit l'inconsistance de cette union, cette plateforme, l'instabilité de cette plateforme, la Moka, ils avaient prédit la vérité parce que là, ils sont ensemble sur papier. Mais en vérité, comme le dit Francis Kalombo dans une vidéo, c'est que pratiquement, ils ne sont pas ensemble. Il paraît que Martin Fayulu est en train de chercher à se frayer un chemin en solo, en contactant la présidence sans les autres. Et voilà comme explication, mais je trouve que cette information était déjà connue dans la conférence de presse, sa proposition. Mais ce qui fait la différence, c'est que maintenant, il reconnaît le président Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais pourquoi, dans les marches, dans les demandes de soulèvement, il prône la vérité des urnes? Et dans les lettres, dans la lettre, de collaborer, non? C'est une collaboration. En même temps, il chante la vérité des urnes. Il faut déboulonner les maîtres, donc les chasser du pouvoir, chasser Kabila et Félix par le soulèvement. Quelle contradiction est-il sincère? Donc, aux partisans de la Moka d'en tirer des conséquences. Méditer un peu qui est sincère comme opposant, qui n'est pas sincère comme opposant. Eh bien, l'avenir nous en dira plus. Alors, un autre sujet, c'est les bavures des policiers. Très bien. La marche était interdite. La Moka était avertie que il valait mieux respecter la sacralité de cette journée de la commémoration de l'indépendance. Mais voilà, ils sont venus, ils ont essayé de marcher. Le président avait promis qu'il n'y aura pas de répression si jamais ils se présentaient, que les policiers sont instruits. Les policiers sont instruits pour empêcher, normalement par les moyens anti-émeute, de disperser les manifestations non autorisées. Mais voilà, nous voyons des vidéos où les manifestants subissent des bastonnades, ils sont frappés. Les pneus des véhicules, ils sont troués. Nous apprenons aussi que à l'Est, il y a eu un mort. Eh bien, nous demandons que ces bavures policières soient punies parce que tirées à balles réelles. Et encore faut-il vérifier parce que nous apprenons déjà qu'on a constater une disparition d'une arme par la police.
de Goma. Qui a tiré? Est-ce un saboteur ou est-ce un véritable policier qui a tiré? Donc, il faut une enquête et puis il faut punir les policiers qui bastonnaient sévèrement les manifestants parce qu'ils sont dans un état de droit. Et il ne faut pas torturer, il faut intervenir. On va faire des arrestations administratives, comme on le fait dans d'autres pays démocratiques. Nous le voyons même ici en Occident. On disperse des manifestations non autorisées, même par des gaz lacrymogènes. Donc, nous pouvons dire que le gouverneur Ngobila avait raison, le président de la République l'a soutenu, mais les policiers qui ont commis des bavures, ils doivent être entendus et punis. Chers compatriotes, nous allons nous arrêter là. C'était juste un flash de ce soir. Bandeko, Papolingo, Toko Kutama, Napa, émission Oyo et Koya. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutika la Malamou, Benobikalambote. Wandugu apenzi tunamaliza tutaonana kesho mpango ya mulo ya luzoro benu bikana mbote betu tamalana mbasi bana betu basuive shala ibib nitu munana chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lengo amboshila.